On va refaire. 3 et 4. Équilibre. Bien, Capu. C'est super, on a tout là. On a le contrôle qu'on veut, il est là. Donc c'est super. Bonjour à tous, merci de nous rejoindre sur Coach en direct de ce début d'année. Il fait très frais. Aujourd'hui, je suis très content parce qu'on retrouve Capucine qui est partie de chez nous. Alors on est heureux pour elle, mais on est un peu triste parce qu'on l'aime bien. Et l'immense avantage, c'est qu'elle revient régulièrement et maintenant elle a pris son envol. Elle est partie dans une très grande écurie, entre autres chez Talminstein, située en Belgique, qui est le promoteur des Vanten et qui a de nombreux chevaux à très haut niveau. Et voilà, Capucine, suite à la formation Cavalier Pro qu'elle a fait chez nous en immersion pendant plusieurs mois, se retrouve dans une des plus grandes écuries d'Europe. Donc c'est plutôt chouette. Et aujourd'hui, comme elle avait commencé l'aventure avec nous d'acheter un cheval, de mettre en valeur, puisque son métier c'est d'être cavalier professionnel et que sa passion c'est de préparer des jeunes chevaux et les former, eh bien elle nous laisse ce jeune cheval ici et dès qu'elle est en congé, elle vient retravailler à la maison. Donc bon, on est fiers d'abord et puis on est heureux, tout simplement. Alors comment ça se passe dans ta nouvelle aventure depuis ton départ? Bah très bien, tout va bien. Bah c'est super. Ça va, ils disent pas trop qu'il te manque des choses? Non, ça va. Bon, non, bah c'est super. Alors aujourd'hui, tu vas commencer à marcher. Merci d'être là en tous les cas. Et on va faire évoluer son jeune cheval, puisqu'elle monte son cheval, qui est un jeune cheval qui vient d'avoir 5 ans, très 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 prometteur, avec un énorme potentiel, que Audrey monte en compétition, puisque Capucine est plutôt intéressée par travailler les chevaux à la maison, et les faire évoluer à la maison plutôt que de monter en compétition, ben, il en faut, et je trouve ça super. Donc c'est Audrey qui est chargée de le montrer sur les divers terrains cette année. Il va faire le cycle des jeunes chevaux en Belgique. Et c'est un Balou du Rouet avec une mère qui a une très très bonne souche, qui a des souches Constance Duplessis, Labouré, qui est FF Forever. C'est une des meilleures souches qui existent en France. Et on est très content de pouvoir faire évoluer ce cheval. Alors aujourd'hui, ça fait longtemps que j'ai pas vu Capucine à cheval, donc je vais te regarder un petit peu s'ils t'ont pas donné trop de défauts dans cette grande maison. D'accord. Et puis on va travailler, finalement, rendre ton cheval perméable entre les obstacles. C'est-à-dire pouvoir varier entre un certain nombre de foulées. Alors, les barres par terre, j'appelle ça des obstacles. Puisque quand le cheval est en équilibre, bien finalement le temps de suspension au-dessus de cette barre est plus long. Donc toujours la même problématique, avoir une parabole juste. Une parabole juste, c'est le moment où le cheval est le plus haut dans le temps de suspension, se retrouve au centre de l'obstacle. C'est-à-dire qu'au moment où le cheval est sur son temps de suspension, je me répète une nouvelle fois, il va se trouver là et on va s'apercevoir que sur ce temps de suspension, on va pouvoir modifier la parabole vers l'arrière ou vers l'avant en fonction de l'obstacle qui arrive après, en fonction de l'obstacle qu'on est en train de franchir. Donc on va commencer ça gentiment hein, pour habituer ce cheval à aller vers l'avant et revenir d'une manière fluide. Donc, tu as détendu ton cheval au préalable, il a été longé au préalable. Moi vraiment, je préconise dans la mesure du possible, avant de monter dessus sur vos chevaux, de longer vos chevaux, qu'ils aient le temps de se réchauffer, en faisant attention qu'ils ne fassent pas n'importe quoi non plus. Mais je trouve que les longer 10 minutes, un quart d'heure, voire 20 minutes, sans se mettre sur leur dos, c'est une chose qui va faire que, bah, comme on peut le voir là, le cheval est plus détendu. Ok ? Allez, tu vas commencer à trotter ton cheval dans cette attitude, je trouve qu'il est vraiment bien là. Et surtout, tu vas t'occuper de lui mobiliser la bouche. Ce qui veut dire que tes doigts vont être à l'écoute des résistances à droite, à gauche, etc. Donc dès que tu vas avoir une petite résistance sur une reine,
bah, tu vas appuyer sur ta reine avec tes doigts. Voilà, et essayez toujours que ce cheval ait une mâchoire vivante. Donc pour ça, il faut que tu aies des doigts vivants. Plus travailler avec tes doigts, des actions indirectes et une main fixe. Faire très attention à ça. Voilà, pas trotter plus vite que ça. Tu vas changer de main. Regarde bien où tu vas, attention, tu as tendance à trop regarder par terre. Oui. Pensez à incurver ton cheval, donc repousser les épaules à l'extérieur de ton cheval avant de tourner, ça c'est très important. En soutenant ta main intérieure, n'écarte pas trop tes coudes. Et surtout, ne creuse pas le bas de ton dos. D'accord, le bas de ton dos doit être relâché. Et mets-toi sur le bon diagonal, ça sera mieux. Voilà. Quand on travaille dans les grandes maisons, on trotte sur le bon diagonal, Capucine, sinon tu me mets la honte. D'accord? Et au-delà de ça, parce que je m'en fiche un peu, mais tu enlèves du confort à ton cheval. Donc déjà, pensez à changer de diagonale. Attention que ton cheval fonctionne bien en ligne, il a tendance un petit peu à avoir ses fesses à gauche. Ce qui est intéressant, c'est que tu travailles en piste intérieure, donc ça c'est bien. Voilà, là l'attitude pour un jeune cheval, elle est super, donc n'hésite pas vraiment à avoir les doigts vibrants, tout doucement, le plus léger possible, pour que ce cheval, voilà, se décontracte, étire sa nuque. Rechange de main. En passant devant moi, regarde où tu vas, regarde où tu vas. Tu regardes pas suffisamment où tu vas. Et relâche le bas de ton dos. Ne sois pas contracté sous prétexte qu'on te regarde. Fais attention que tes chevilles soient souples. Tu as la cheville gauche qui n'est pas suffisamment souple. Ok, et maintenant tu vas commencer à me faire une serpentine en passant au milieu de ses barres, en changeant l'incurvation et en reportant le poids sur l'épaule extérieure avant de changer de direction. Non, ce qui aurait été plus logique, c'est que tu fasses là, ici, tu repasses ici. Tu passes entre les deux barres bleues à chaque fois. Passe au centre là. Allô, là, au centre. Voilà. Ok, tu vas à droite maintenant. Incurve ton cheval avant de tourner. Il n'est pas incurvé. Ça veut dire de repousser les épaules sur l'extérieur. Continue à garder ton cheval incurvé à droite. Encore, encore. Soutiens ta main intérieure. Regarde où tu vas, serpentine en passant entre les deux barres parfaitement au centre. Voilà, ça c'est un bon exercice. Soutiens ta main intérieure, pousse les épaules à l'extérieur et garde ton cheval en équilibre. Descends ton talon à gauche. Pense à se tourner au milieu là. Ne tire pas vers toi, ne tire pas vers toi. Voilà. Pousse les épaules à droite. Plus tes actions vont être légères et fluides, plus ton cheval sera léger. Et fluide. Attention, tu fais un angle. Essaye de me faire une belle serpentine. C'est comme son nom l'indique, c'est la forme d'un serpent. Essaye d'avoir des doigts plus vivants, des épaules plus souples. En fait, le mouvement à cheval ne vient pas du biceps. Allô, regarde-moi. Est-ce que tu peux me regarder quand je te parle? Tu peux continuer à ressentir maintenant à ton niveau. Et continuer à faire fonctionner ton corps, et le corps de ton cheval surtout, le mouvement part de l'épaule, d'accord? Mais pas du biceps. Et ensuite, il faut avoir les coudes relâchés, ça c'est très important. Et de là, on a des doigts qui vont appuyer sur les rênes, d'une manière vibrante, pour occuper finalement et mobiliser la mâchoire de son cheval, pour lui donner de plus en plus de confort. Puisqu'on s'est aperçu que quand la mâchoire et relâcher, on a une action directe. Baucher le disait, une action directe sur la nuque. Et à partir du moment où on a cette action directe sur la nuque, on décontracte toute la ligne du dessus. À partir du moment où la mâchoire est décontractée, la nuque est décontractée et la ligne du dessus se décontracte. Donc voilà pourquoi moi j'ai tendance à ne pas serrer le nez des chevaux et à les laisser libres pour leur décontraction de mâchoire.
Voilà, là on commence à voir. Ouvre encore plus tes doigts, voilà. Tu vois, on voit bien que ton cheval, il a envie de s'étirer. Ça, c'est très bon, là, ce qui est en train de se produire. Hein ? Oui. Ok. Et toi, ça te donne une ligne de conduite quand tu es toute seule là-bas à monter 10-12 chevaux par jour pour leur donner du bon boulot. Parce que ce qui est important, c'est que les gens qui te confient des chevaux au travail, quand ils montent derrière, ils se disent « Waouh, les codes sont là !» Ok ? Mon cheval se sent bien. Donc ça, c'est des petits détails, un petit travail qui va te permettre... Voilà, laisse-le bien avancer son nez. Ça, c'est super. C'est exactement ce qu'on doit faire avec les chevaux au quotidien. Et on est dans le bon rythme. Tu repasses au pas, gentiment. Tu lâches tes rênes, tu le caresses, on le laisse souffler. Évitez des temps de travail au-delà de 2 minutes. Leur laissez bien des temps de repos et recommencez. Voilà. Et ce qui est très important, c'est pendant le temps de repos, c'est rien leur demander. On en profite pour déchausser les étriers, avancer ses fesses dans la selle en tenant le pommeau de la selle. Toujours penser à cette position, à ce fondamental de base, de ravancer ses fesses dans la selle, bien relâcher le bas du dos pour progressivement rentrer à l'intérieur de son cheval. Et tous les jours, tous les jours, tous les jours. Par contre, on ne les laisse pas marcher comme des veaux. D'accord ? On les fait marcher d'un pas tonique. C'est extra. On va le laisser souffler. Tu vas faire là-bas, tranquillement. Et tu vas faire le même travail au galop. En changeant de pied. Pas tout de suite, parce qu'il n'est encore pas suffisamment chaud. Tu vas repasser au trot au milieu, avant le milieu. Repréparer ton départ et repartir de l'autre côté. Pas commencer les changements de pied sur un cheval froid. D'accord ? Bien le préparer. Toujours décortiquer le mouvement du cheval pour le préparer à ce qu'il le fasse sans défense. Donc quand tu veux, tu reprends tes rênes. Tu prépares ton départ au galop à droite. Avec l'intention et non pas avec tes jambes, attention. Quand tu veux au galop à droite, et on attaque le même exercice. Allez. Voilà. Et même travail avec tes mains. Garde bien le cheval droit dans son galop. Pareil, des doigts vibrants. Avance un petit peu ton bas de jambe. Et tu attaques la serpentine avec la transition au trot au milieu. Attention, on va plus vite, donc il faut que ton regard... anticipe plus le mouvement, galop à gauche, pas avec la jambe, avec l'intention. D'accord ? Donc tu l'as pas suffisamment préparé ton départ. Oh. Ta transition non plus. Ça c'est mieux. Décontracte bien sa mâchoire. Relâche bien le bas de ton dos. Respire avec ton ventre. Laisse-le s'étirer s'il veut aller un peu plus bas. Prépare ta transition. Assieds-toi. Qu'est-ce qui se produit ? Tu demandes avec ta jambe. Au lieu d'incurver ton cheval, lui donner du relâchement et ensuite lui demander le départ avec ton esprit, avec ton intention. La jambe, elle vient en seconde intention. D'abord l'intention et on accompagne. Mais pas d'abord. Sinon, on les agresse. Soutiens un peu ta main gauche pour lui donner de la souplesse pour son départ. Assieds-toi. Mets-toi en équilibre. Voilà. Là, on a encore un problème, si tu veux, c'est d'anticipation du mouvement. Tu es en retard dans ta tête sur ton mouvement. Tu dis « Ah zut, fallait que je tourne plus tôt. » Il faut que tu sois plus concentré dans ton changement de direction. En équilibre, c'est un jeune cheval. Voilà. Bien leur libérer le dos. Pas se tenir aux rênes. Regarde où tu vas déjà. Anticipe ton tournant. Anticipe ta transition. Oh là. Lève un tout petit peu tes mains. Lève ta main gauche.
Ton cheval n'a pas cédé sur ta reine gauche, faut pas demander le départ. C'est comme si tu faisais un changement de direction sans qu'il ait cédé sur sa reine intérieure. S'il n'a pas cédé sur ta reine gauche, il n'est donc pas relâché dans son corps. Lève ta main gauche. Fais-le céder. Une fois qu'il a cédé, demande le départ. Là, ça c'est mieux. Ok. Maintenant, on fait la même chose, on change de pied au milieu. Alors, entretiens ce galop-là. Entretiens, pourquoi tu t'assieds? T'as pas besoin de t'asseoir. Entretiens ce galop-là à chaque foulée. Allez, on change de pied. Décontracte la mâchoire, n'oublie pas tout. Descends bien, t'es pas assez souple sur la cheville gauche, va falloir travailler ça. Bien, un peu plus de reine gauche. Bon, je vous rappelle quand même que c'est un cheval qu'ont dressé Audrey et Capucine, qui vient de terminer son année de 4 ans. Donc vous voyez un peu son niveau de décontraction et de dressage. Tout n'est pas parfait, mais si tous les 4 ans étaient dressés comme ça, il y en a beaucoup qui iraient mieux. Ok, au trot, soutiens tes poignets. Voilà, laisse-le avancer son bout du nez, laisse-le s'étirer. Parfait, et au pas, on laisse souffler. Voilà, là on est dans un rythme de travail et de demande pour tous les chevaux. Il n'y a pas besoin d'être plus dur, d'être plus fort. Ok ? Là, on est vraiment dans une période de détente où le cheval a le temps de trouver son équilibre. Il marche comme un veau. Oui. Donc, jambe droite, jambe gauche. OK ? Voilà, donc prenez l'habitude de travailler vos chevaux à ce rythme-là. Hein ? T'as vu ? Et dans cet esprit-là. Et petit à petit, on monte en puissance. Mais tant qu'on n'a pas ce relâchement-là, on ne peut pas monter en puissance. Ok ? Bon, maintenant, tu vas le faire le même travail au galop, mais tu vas venir passer cette ligne. On va partir du bas, par exemple. Ouais. Donc, on a 13 mètres et 17 mètres. Ok. Donc, normalement, c'est 3 et 4, d'accord ? On va faire 4 et 5 pour commencer, et ensuite on va varier. Ça va ? Donc pars pas de trop loin, tourne ici, galop à gauche. Et évidemment, au bout de ta ligne, tu changes de main. Okay. En ayant prévu pour pas qu'il y ait des zigs et des zags à droite et à gauche. Ouais, donc ouais. Pour bien prendre le cheval dans ses cuisses, ok ? Ok. Allez. Rênes ajustées sont des rênes tendues et de même longueur. Attention, attention, c'est toi qui n'es pas stable sur ton cheval là, parce que tu as une reine gauche qui est trop longue. Donc sois bien au-dessus de tes pieds. Il faut que tes articulations fonctionnent pour pas avoir cette espèce de petit déséquilibre que tu as eu. Parce que sur un gros obstacle, tu aurais un déséquilibre. Incurvé avant de tourner, te mettre un peu plus en équilibre maintenant. Là, tu montes un petit peu trop les fesses dans la brouette. Hein. Faire ça un tout petit peu plus sport. Voilà. Ça ne t'empêche pas de reculer ton bassin quand tu trouves que tu es trop près de la barre. Trop de main droite. Voilà, fais accélérer un peu ton cheval, lui remettre un petit peu d'énergie, et maintenant reviens arrière, attention,
Capucine, tu fais trop avec tes biceps. Fais plus avec tes épaules. Sans baisser les mains. Et ce coup-ci, tu fais 6 dans la deuxième partie. Ça, c'est pas bon. On s'arrête. Oh. On s'arrête en levant les mains. Ok. On va pas sur cette ligne si le premier est raté. Ouais. D'accord ? Ça, c'est la base. Prenez cette habitude-là quand on travaille les chevaux. Oui. Le premier est raté. Ça devrait pas arriver, mais ça peut arriver. On arrête, on recommence. Tu vas faire 4 et 6 ? Ouais. Bien. Un petit peu avant, non, j'ai pas pardon pris. Bah, j'aurais dû freiner plus tôt, je pense. Ok. Cette fois-ci, on fait 3 et 4. Donc, faut galoper un peu. Super. Ça, c'est parfait. Continue. Allez, en avance, remonte bien sur terrain. Cette fois-ci, on fait 3 et 5. Lève tes mains. Oh. Bien. Attention de reculer. Tu vois ton petit problème de cheville à gauche, continue. Ton problème de ta cheville à gauche qui n'est pas souple fait qu'il change de pied. Donc descends bien sur ta cheville à gauche, que ton cheval ne change pas de pied quand tu es à main droite. Cette fois-ci, on fait 5. 3 et 5. 5 et 4. 5 là. Ah oui, 5. Oh oh. Bien, allez. Parfait. Et cette fois-ci, on refait 3 et 6. Recule bien ta jambe gauche, descends sur ta cheville gauche, tends ta reine gauche. Allez, 3 et 6. On a fait 5 là, non ? Ouais, 5. Recommence. Et Capucine, recule ton bassin et soutiens tes poignets dans l'axe épaule-main-bouche. 3 et 6. Allez. Arrière, déjà. Oh oh, oh oh, oh oh, oh oh. On a refait 5 là, non ? J'ai fait 5. Capucine, arrière, 6 foulées, 3 et 6. Allez. Hop, 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 hop. Non, 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 non. On s'arrête. On s'arrête. On s'arrête droit. Alors, qu'est-ce qu'on se rend compte ? C'est que t'as ta reine gauche toujours trop longue. Hein. Parce que t'as toujours ton cheval. Raccourcis ta reine gauche. On repart. Pense bien à ta jambe gauche. Hein. Allez. 3 et 6. Allez. Bien ça, super. Et maintenant, on va refaire 3 et 4. Équilibre. Bien, Capu. Au trot.
Laisse allonger tes rênes de ton cheval, laisse-lui reprendre son souffle. Allonge tes rênes, caresse-le. C'est super, on a tout là. D'accord, il n'y a pas besoin d'aller les embêter plus. On a le contrôle qu'on veut, trotte-le encore un peu, qu'il reprenne son souffle. On a le contrôle qu'on veut, il est là. Tu peux plus le tenir dans ton couloir des aides pour pas qu'il change de pied dans la ligne. Ok, enfin, c'est jamais qu'un 4 ans hein, qui vient de prendre 5 ans. Donc, c'est super. Voilà, il n'y a rien à redire. Parfait. Bravo, merci. Bon, bah, une séance comme on aimerait en voir plus souvent. Hein. C'était super. Que dire de plus, si ce n'est continuer dans cette voie-là. Ce qui prouve bien que quand on prend les chevaux et quand on fait les choses d'une manière simple depuis le départ, avec des codes, et qu'on ne se complique pas la vie et qu'on reste sur des codes simples, c'est-à-dire aller vers l'avant, aller vers l'arrière, les assouplir latéralement, les obliger à marcher en ligne depuis leur plus jeune âge et qu'on leur fabrique la bouche avant de monter dessus, ce qui a été son cas, comme Hollywood qui vient de, que tu avais au départ, qui vient d'être vendu quand même très cher dans une vente. Et voilà, c'est tous les chevaux, quand ils ont les bons codes, ben voilà ce qu'on arrive à en faire, parce qu'ils le font avec nous, ils sont à l'écoute, ils sont, parce qu'on leur a donné un cadre et une trame sur lequel s'appuyer. Et on a essayé de le faire toujours de la même manière. C'est toujours plus facile de fabriquer une maison que d'en reconstruire une. Toi, c'est pareil, tu as énormément progressé, c'est super ce que tu fais. Continue dans cette voie, d'abord parce que les retours des grands professionnels qui te croisent me sont super bons, donc ça me fait très plaisir. Et puis que tu fais du bien aux chevaux, donc c'est super, on continue. Et puis reviens quand tu veux. Allez, à la semaine prochaine, merci. Oh. Doucement. Doucement maintenant. Doucement. Non, non. Oh oh. Oh oh. Oh. Ah, arrête. Oh 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 oh. Oh 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 oh. Non, non, non. Non. Non.